retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu, les chevaliers des Baphomets. Donc, mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour une 25e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va continuer. J'ai cette espèce de lundi que je dois faire. Jetez un œil dans l'église où vous pourrez vous utiliser le lundi. Ah ok. Sur la statue se trouve un parchemin à lycée qui est inscrit que ça ne vous appelle rien. Visez la lentille à bout de parchemin. Regardez dans le parchemin. Ok. Allez, Le prêtre était encore occupé avec le calice. Je décidai donc de jeter un coup d'œil dans l'église. Ok. Bon, je vais aller voir la statue. Hein. La lentille s'ajustait parfaitement au manuscrit. Per disciplinam. Hey! Ah ouais, exact. Ah ouais, là y'a. Déformation s'était estompée et l'image était devenue très nette. C'était un chevalier du temple brûlant sur un bûcher, avec au-dessous une date en chiffres romains. Okay. Un chevalier des Templiers sur un bûcher et une date. Laisse-moi voir. MCCC X1V, c'est 1314. J'ai compris que l'Iracilo était une famille importante. Et maintenant, vous devrez partir au plus vite pour la villa de la Vestro d'Espagne. Pour partir en Espagne, allez sur la carte de Paris, puis c'est dans les gros flèches pour afficher une carte de l'Europe sectionnée. Ok, maintenant je dois partir en Espagne. En Espagne.
Bien sûr. Maintenant que j'y prêtais attention, c'était une évidence. On n'y lisait pas de nom, mais le blason était le Pégase de la famille Vasconcelos. J'avais trouvé la dernière demeure de Don Carlos. Mes yeux étaient attirés par les références bibliques gravées sur le bord de la tombe. Hé, ces références bibliques avaient peut-être une signification. Ah, ok. Psaume 32:7. Les chiffres faisaient référence à un chapitre et un verset de la Bible. C'était plutôt vague, mais cela devait avoir une signification. Un examen plus poussé de la tombe me permettrait peut-être de découvrir d'autres indices. Jean 4. Corinthiens 14:5. À la Bible, mais une série de chiffres romains inscrits autour de la plaque. J'en avais pris note. Il pouvait avoir une signification précise. Okay. Psaume 32, 7. Jean 4, 11. Corinthiens 1, 4, 5, 1 de plus. Psaume 22, 21. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'avais une mémoire d'éléphant. Le calice m'avait mené à cette inscription, mais ça ressemblait à une coïncidence. Après tout, les armes de Vasconcelos étaient déjà sur le manuscrit. Non, j'étais encore persuadé que le calice avait une signification propre. Okay.
Ok, regardons encore ces références. Psaume 32, 7, Jean 4, 11, Corinthiens 1, 4, 5 et Psaume 22, 21. Le calice m'avait mené à ces inscriptions, mais ça ressemblait à une coïncidence. Non, j'étais persuadé que le calice avait sa signification propre. Rebonjour, père. Bonjour, mon fils. Quel plaisir de vous parler à nouveau. À bientôt. Hello, André. Bonjour, Georges. Quand j'étais en Syrie, j'ai découvert une drôle de statue païenne. C'était une tête avec trois visages barbus. Une horreur. Ça pourrait être Baphomet, l'idole décrite par les Templiers. Les chevaliers du Christ avaient une idole aussi laide. C'est ce qu'on a voulu faire croire. La description de l'idole provient de ce que l'Inquisition a pu arracher aux Templiers. Mais aucune statue de ce genre n'avait jamais été trouvée dans les possessions du Temple. Jusqu'à cette année, le mois dernier, une statue de Baphomet a été exhumée. En plein Paris. Où ? À l'Institut Hermétique de Nerval. La statue se trouve sous les fondations. Elle a été découverte par des ouvriers qui rénovaient le bâtiment. Vous pouvez m'en dire plus sur la statue de Baphomet ? C'est une œuvre effrayante. Encore aujourd'hui, au pied de la statue, il y a des symboles propres aux Templiers. Un des ouvriers a remarqué une tache étrange sur le socle. Il a affirmé que c'était du sang. Du sang ? C'est ça. Ce n'est pas une bonne idée. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Hello, André. Bonjour, Georges. Merci pour votre... Y a pas de quoi. Ok, on va... Ah, d'accord, faut aller là, faut aller aussi de Baphomet, même pas lui, ok. D'accord. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelques questions à vous poser. Le mot templier vous fait penser à quoi? Templier à... À rien? À rien. C'est remarquable ce que vous faites. Merci, j'ai mon orgueil professionnel. Je ne pense pas avoir jamais vu une Gauloise être fumée avec autant de talent. Ah, c'est un don inné. Je suis sarcastique quand je vous dis ça. Je suis indifférent quand je vous réponds. Vous êtes très doué pour ça aussi. Merci, vive l'indifférence! Bien, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je fais une pause. Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause. Quand j'aurai fini ma pause? Voilà un concept intéressant. Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir. Pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question. Demain aussi, peut-être. Ok, laissez-moi reformuler ça. On vous a engagé pour faire quoi? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble. Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte. C'est un travail d'une grande responsabilité. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable. Que savez-vous sur les fouilles? Je sais qu'ils me laissent pas rentrer pour faire mon boulot. Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas... Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre. Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs du collier. Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue. Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble, un archéologue? Costume trois pièces, attaché caisse en croco, montre Rolex, grand format. Bah, aucun archéologue ne s'habille comme ça. Bah, c'est aussi mon avis. Alors, qui sont-ils? Oh, ça, on s'en fiche tant que je suis payé. Vous avez déjà vu un objet comme ça? Ouais, c'est un calice de communion. Je le sais, j'étais enfant de cœur. Vous? Oui, moi. Ça vous fait rire? Non, pas du tout. Est-ce qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici? Est-ce qu'il portait un t-shirt avec « Je m'appelle Merlin » écrit dessus? Je ne pense pas. Alors comment voulez-vous que je sache son nom rien qu'en le regardant, bon sang? À plus tard. Au revoir, monsieur. Ah ouais, tout. Bonjour, excusez-moi. Oui? Que savez-vous sur les Templiers? Il y eut un long moment où le garde ne dit rien.
Puis il ouvrit la bouche. Rien? Rien du tout? Est-ce que c'est un contrôle? Un contrôle de quoi? Un contrôle comme à l'école. D'accord, oui, c'est un contrôle. Alors je ne sais absolument rien sur les Templiers. Difficile d'être plus vaseux que ce garde. J'allais devoir rassembler toutes mes forces pour surmonter cette partie du jeu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je monte la garde. Qu'est-ce que vous croyez? Que je baille aux corneilles? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde. Est-il possible de savoir ce que vous gardez? C'est un secret. Ce ne serait pas un site archéologique par hasard? C'est une question ou une affirmation? Une affirmation, en fait. Alors pourquoi me le demandez-vous? J'avais l'impression que le trou dans le sol était bizarre. Je décidais de ne pas lui montrer le calice. Peut-être touchait-il de l'argent des conspirateurs, c'était trop risqué. Oui? Vous avez... Une soudaine envie de chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Non, on ne chante pas ici. Vous reconnaissez ce nom? Merlin? Non. Vous avez déjà vu cet homme? Oh! Oui, vous l'avez vu? Non. À plus tard. Au revoir, messieurs. Je peux utiliser le téléphone? Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. On va téléphoner, voir si... Nico? Georges? Qu'as-tu découvert? Rien pour le moment. Rien? Quelque chose ne va pas? Non. Georges, pourquoi m'appelles-tu? Pas de raison précise. Je voulais juste entendre ta voix. Eh bien, écoute-la bien, ma voix. Elle te dit inutile de rappeler pour rien. J'ai du boulot. Oh! Pourquoi je l'ai appelé? J'ai dérangé pour rien, je crois. Voici cette porte. Il y avait une porte fermée avec « Toilette » gravée dessus. Cette porte est fermée, monsieur. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Je ne pouvais pas accéder à cette porte tant que le garde était là. On va ressortir voir, mais... Ah oui, la peinture. Ouais, je sais pas. Hey, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bah j'espère bien. Touchez à la peinture des autres. Bah. Hey, monsieur, touchez pas. Ok. Bah j'espère. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? À plus tard. Au revoir, monsieur. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? Vous avez déjà vu cet homme? Ouais, il m'a posé plein de questions, ah, comme okay. Vous. Ah, oh, d'accord. Oh, non, je pensais... J'ai du plâtre de Paris. Vous l'avez acheté en Amérique? Un mouchoir graisseux. L'approchez pas de ma cigarette, monsieur. Il pourrait y avoir un accident. J'étais sûr que le vibreur avait rendu l'âme en Syrie. À plus tard. Au revoir, monsieur. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips
ou me faire un don. Sinon, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.